Oui bon, Loup-garou UHC saison 2, c'est un peu le bazar, comme d'hab, à chaque fois il se passe de la merde. Là j'ai un petit bug un peu insupportable de la part de Mumble, qui s'est mis à crash juste avant le start, parce que vous voyez, bon, voilà quoi. La vie elle est belle quoi. Du coup, je fais cette petite intro, mais je vais devoir re-FK un peu pour mettre en place le Mumble. Comme d'hab, c'est une espèce de petit. Un petit malus que je me mets, quoi. Petit malus que je me mets, histoire que ce soit fair pour tout le monde, quoi. MDR, pas du tout. Bon, attends, je fais ça. Je fais ça. Hop. Bon. Terrible, hein. On prend un peu. Hop, on se met là. Et on va vite regarder le doc. Putain, c'est incroyable. Hein. Il se passe toujours. J'ai toujours des merdes. J'ai toujours no luck. C'est chiant quand même. C'est chiant d'avoir zéro luck. Oh putain, j'ai un village. Bon. J'ai pas de luck dans la vie, mais j'ai de la chance dans le jeu. Et ça. Ça fait un peu plaisir, ça. Bon, dis-moi qu'il y a des biblios, comme ça je peux FK un peu. Comme ça j'aurai une grande partie du travail à pas faire. Je crois qu'il n'y a pas de biblio en plus. Ah, ça j'ai pas de chance. Oh, il n'y a pas de biblio. Si, il y a une biblio. Attends, c'est une biblio ça ou je rêve? Or, I'm dreaming. Non, c'est pas une biblio ça. Putain, la gueule que j'ai fait des milliards d'UHC, j'arrive pas à reconnaître quand il y a une biblio. Ça va rendre, c'est une forge. Ça, je le sais. Je le sens. Et boum, de la merde dans la forge, ça en aime. Putain, là, une biblio, ça aurait été un peu deep. Petite ellipse avec le montage incroyable pendant que je regarde le doc. Et là, non, c'est bon. Et là, et voilà. Et là, tout est bon. Et là, tout est incroyable. Et là, on m'appelle l'ingénieur informaticien. Et c'est bon, on est parti. Il fait nuit, mais tout marche. Ok. On est prêt. Loup-garon, saison 4. Bon. J'ai FK 10 minutes, mais est-ce qu'au final. Est-ce qu'au final, je suis pas godlike dans la vie? Hop là, hop là, hop là, hop là, c'est bon, on est parti. Là, je suis chaud patate, mon pote, je peux te dire. Là, y a personne qui peut me stopper. J'ai mon bumble qui marche. Ok, il faut des vaches pour l'enchant. C'est bien beau d'avoir un milliard de cannes, mais. On va pas avancer sans vache. Bon, moi j'ai chopé deux pommes, ce qui est pas trop dégueu. Bon, au niveau des rôles, vous savez qu'il y a des rôles grave bien. Il y a des rôles nuls à chier. Il se peut que sur les 5 dernières games loup-garou que j'ai faites, j'ai eu 5 rôles nuls à chier. Donc bon, c'est pas que j'ai envie de me rebeller. En vrai, j'aimerais bien être loup-garou, tu vois. Même si loup-garou, c'est pas un rôle. Enfin. Genre, les 5 games que j'ai faites. À chaque fois je gagnais, loup-garou, parce que j'étais dans le village, et genre le village c'est OP, tu vois, parce qu'on est plus nombreux, etc. Et on peut manger les loup-garous. Mais on se fait chier, parce qu'il n'y a rien à faire, genre enfin, t'as pas de pouvoir, c'est pas drôle. Alors que loup-garou, ok, ça, tu peux perdre la game facilement, mais tu peux assassiner, tu vois, tu peux te faire plaisir. Du coup, moi j'aimerais bien être loup-garou, au moins une fois, que je sache ce que ça fait, quoi. Que je sache ce que ça fait de pas avoir une vie de merde, parce que bon. Pas que simple villageois ça casse les couilles mais un peu quoi. Hop. Par contre j'ai pas masse bouffe, faudrait que j'aille dans le village après. T'es sérieux que les pommes ça drop pas? Like really. Like really really. Bon. Faut que je bouge un peu.
Avant que les mobs spawnent par milliers. On se souvient, on est sur le serveur UHCFR, même si actuellement UHCFR est fermé. Mais on est sur la structure UHCFR, donc toi-même tu connais les milliards de mobs quoi. Tu sais, tu connais. T'as déjà joué sur UHCFR, tu vois ce que je veux dire. Et si t'as jamais joué sur UHCFR, tu me fais confiance parce que tu m'aimes bien. Et que tu sais. Tu sais que quand le petit père étoile il te dit qu'il y a des milliards de mobs par milliard, c'est que c'est vrai. Que bon là, ce serait bien que je meure pas PvE déjà. Je fais quelques games ultra, je suis mort PvE là, hier, c'est bon. Faut arrêter les conneries quand même. Petite pomme là-bas. Hop là, est-ce qu'il y a d'autres pommes là-bas? Une autre pomme ici. Hop. Ça suffit, ouais, je pense qu'on va se prendre pas trop de pommes non plus. Même 13 minutes de jeu, quoi, ce serait bien que j'aille en cave au bout d'un moment. Hop là. 6 pommes. 6 pommes, c'est pas ouf quand même, hein, parce que bon, c'est du strip mine, on peut miner tout droit, donc je risque d'avoir des milliards d'or. Est-ce que j'en prends 8? Vas-y, je prends un dernier tour sous mes arbres. Allez, 9 ça va. Ouais, 9 caps c'est quand même bien. Ah, je crois que j'ai vu un premier drop. J'ai vu un drop de pommes. Hein. J'ai rêvé ou? Moi je crois que j'ai rêvé. Il y a un petit archer avec un arc enchanté là. Attends, là par contre j'ai pas rêvé. Ouais. Hop là, vas-y, 10 pommes, ça suffit. 11 là-bas. Avec 14 minutes de jeu, on fait les pommes, les gars. Je vous remercie à tous. Hein. Ça se voit que j'ai FK 10 minutes. Bon. Prendre ça. On va. Bon, il nous faut du cuir maintenant. On va bouger un peu pour trouver du cuir. Et après on va aller en cave quoi, au calme. On aura notre rôle dans 5 minutes. Creeper de merde là. On aura notre rôle dans 5 minutes et voilà quoi. Oh merde, ok la border est là-bas. Parce qu'en fait on n'a pas les cordes, hein, c'est le but du scénario. Pour empêcher que les gens se stack au 0-0 très vite. Enfin se stack, pas ce stuff, parce que c'est pas un... c'est pas un scénario où tu peux snowball tu vois mais. Pour pas qu'il y ait des groupes de personnes nombreuses quoi. Ok, on va prendre le début. Un peu de fer. On va se prendre, allez, tout ce qu'il y a dans le fer, on va se prendre un peu de charbon. Et après je pense que je vais m'approcher en sens opposé de la border. J'ai combien de cannes? Ok, j'ai 20 cannes si je peux avoir genre. J'ai bien envie de faire une T3 diable si j'ai 6 books. Attends, si j'ai 6 books, si mes calculs sont bons, je peux faire une T3 diable, si je peux faire deux pièces P2, sachant qu'on a deux pièces en diable autorisées, ouais ça va. C'est honnête quoi. Petit chien de squelette là-bas là. On va essayer de pas prendre l'aggro. Oh là là, ça a failli être extrêmement gênant. Parce que j'ai perdu de la bouffe au moment où je me suis approché. Ça aurait été très gênant. Hop là. Putain, s'il y avait eu les biblios là. Attends, je vérifie une dernière fois, mais non. Non. Bon, je vérifie, hein, parce que mec, dans des trucs comme ça, s'il y a les biblios, c'est bon. Hein, je prends 8 ans de commentaires de viewers en mode. Ah! Les biblios! Faut faire vérifier. Non, ok, c'est bon. On sait jamais, hein. Vous savez pas ce que c'est la souffrance des viewers qui vous critiquent, ok? On va pouvoir boost spam comme des porcs par contre. Hein. Des milliards de plumes là. Bon, ce serait bien d'avoir du cuir. Ce serait sympa. Toujours pas fait cuire ma bouffe comme un énorme schlag. Hop là.
Hop, on prend cette petite poule. Et putain, la border elle est par là. Trop chiant. C'est-à-dire que là, si mes calculs sont bons, on doit être en genre 1000-1000. Parce que la border est des deux sens. Du coup, ouais, il faudrait que j'aille dans la diagonale opposée. Diagonale opposée, c'est par là. Ok. Même de prendre les poulets encore. Ok. Et là, il me faudrait vraiment, mais genre vraiment du cuir. Je pense à déjà. Ouais, moi je serais presque full fer, ça c'est déjà ça. Toute façon, c'est pas le genre de. Enfin. C'est pas le genre de RR ou de tournage où t'as des mecs qui vont te sauter en cave dès le début, quoi. Clairement pas. Pas du tout le genre de RR où tu dois te stuff vite parce que sinon tu meurs. Parce que si un mec me croise en cave, il va plutôt discuter. Pour jouer RP, quoi. Parce que ça a aucun intérêt, sinon. Enfin, c'est pas un scénario orienté full tryhard. Nice, ça c'est des vaches, ça fait plaisir. Drop du cuir, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. S'il te plaît. Aussi. Allez, quand on demande gentiment, tout se passe bien. Ça, c'est un tips dans la vie. Hein. Si vous êtes gentil. Oula, j'ai failli prendre des dégâts. Hop. Regarde, s'il te plaît. T'as vu? 100% de win rate sur les s'il te plaît des vaches. Hein. C'est aussi simple que ça la vie. Hein. Hop, hop, hop. Allez. On se fait des fours. On a 4 books, au moins on pourra faire une T3 Diams. Attends, épée en Diams? Ah, plastron bot en vrai c'est mieux. Ouais, je crois que je ferai une épée en fer. Prends une épée en fer parce qu'on a avec la time limit, tu peux pas le faire. Oh putain, mon inventaire c'est le zoo. Hop. Et voilà. Donc, on va prendre un peu de bouffe. On va trier tout ça.